Ces vidéos, je les fais spécialement pour toi, mon frère, ma sœur, toi qui me suis maintenant. Je suis ton frère ou je suis votre frère, Aimé Siongo. Je suis ici à Bruxelles. Donc, je fais cette vidéo pour vous appeler. Pourquoi vous appeler? Parce que j'ai besoin de vous. Vous, là que j'appelle, peut-être, ça peut être vous, ça peut ne pas être vous, peut-être quelqu'un d'autre, mais ça concerne spécialement la personne qui sent qu'il veut commencer à servir Dieu sérieusement dans sa vie. La personne qui sent que, si tu sens que non, il y a l'esprit de Dieu qui te pousse à commencer à le servir. Et tu veux vraiment t'engager à servir Dieu pour de vrai. Donc quand je dis pour de vrai, c'est parce que tu peux soit être ou tu étais quelqu'un que tu travaillais déjà pour Dieu, si je peux dire, mais tu as commis soit beaucoup d'erreurs dans ta vie ou des bêtises, ou tu as été rejeté dans les églises à cause des choses qui se passent, soit tu as constaté que non, ça ne fonctionnait pas selon Dieu d'après toi, là où tu étais, où il y a eu trop de bêtises, ça fait que non, tu t'es retiré et tu as commencé à prier seulement tout seul chez toi à la maison, ou soit avec ta famille, tes enfants, ton mari ou ta femme, si tu es un homme, comme c'est le cas de beaucoup de personnes, je sais maintenant, à cause des habits de beaucoup de serviteurs, à cause des habits de beaucoup de ceux qui se disent hommes de Dieu. Je sais que beaucoup de personnes sont fatiguées d'aller dans les églises. Il y a même des personnes qui vont toujours dans les églises juste pour aller. Ils continuent à aller juste pour aller. Mais au fond d'eux-mêmes, au fond d'elles, ils sont déjà fatigués. Parce qu'on entend des témoignages, on reçoit des appels, des mails de beaucoup de personnes qui sont fatiguées, qui vont seulement pour aller dans les églises. Parce qu'elles veulent toujours appartenir dans une église. C'est très bien. C'est pour ça que j'encourage toujours mes frères et mes sœurs. Je vous encourage toujours de continuer d'aller. Si vous sentez que vous pouvez continuer d'aller là-bas, c'est bien. Mais maintenant, moi, je vous appelle. Surtout toutes les personnes, vous, qui avez l'habitude de m'appeler pour venir prier pour vous, dans vos maisons, pour venir prier pour vos familles. Maintenant, je vous appelle de venir commencer avec nous, de venir s'assembler avec nous dans notre ministère, dans ces grandes œuvres que Dieu nous a données. Nous devons travailler maintenant ensemble. Je dis bien, si vous voulez travailler, servir Dieu pour le vrai. Parce que moi, je travaille pour Dieu. Et je fais tout pour que je ne puisse pas passer dans des choses que j'ai déjà vues, dans des bêtises que j'ai déjà vues chez beaucoup de ceux qui ont commencé avant, ou dans la vie de beaucoup de ceux qui se disent qu'ils ont commencé avant. Parce qu'on voit ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont bâti. Et maintenant, il est temps, mon frère, ma sœur, toi qui me suives, on voit les réveils dans le monde anglophone. On voit des hommes et des femmes qui servent Dieu chez les anglophones. C'est pour ça que je vous appelle, mes frères et mes sœurs, de se joindre dans ce ministère. Car cette année 2012, nous voulons vraiment commencer quelque chose de nouveau dans ce monde. Et surtout dans le monde francophone, si je peux dire comme ça. Donc j'ai besoin de vous, peu importe votre origine, peu importe votre pays, que tu sois noir, blanche, que tu sois du Sénégal, du Cameroun,
de l'Espagne, de France. Mais si tu vois que tu es ici en Belgique, parce que nous sommes ici à Bruxelles. Donc, veuillez prendre contact avec nous. Que tu sois congolais, car je sais que surtout, il y a beaucoup de Congolais qui s'attachent à l'Évangile. Et beaucoup des Espagnols aussi, des Latinos. Donc, quand vous voyez vous-même que les choses qui se passent dans vos églises ne correspondent pas à ce que vous lisez dans vos Bibles, donc vous devez comprendre que non, c'est que c'est Dieu qui a commencé à se manifester à travers vous par son esprit, car il veut commencer à bâtir quelque chose de nouveau à travers vous. Et c'est pour ça que je vous appelle, mes frères et mes sœurs, de venir se joindre à nous. La Bible dit que non, tout est à vous. Tout ce qui se passe dans ce monde est à vous. La vie et la mort est à vous. Tout est à vous. Et nous, tout est à nous et nous sommes en Christ. Et Christ est à Dieu. Donc nous, nos vies, est en Christ et Jésus. Et Christ est en Dieu. Donc nous devons savoir que nous sommes en Christ. Et je veux que nous puissions commencer ensemble cette vie-là en Christ. Et montrer au monde, à commencer par ici en Belgique et dans d'autres pays européens ici, ici en Europe. Commençons à les montrer la vie en Christ. Je ne parle pas d'une religion. Je ne parle pas d'un système. Mais je parle de la vie de Christ. De la vie en Christ. Que nous devons mener. Que nous devons démontrer. Et dans cette vie-là en Christ, il y a la puissance, il y a la victoire, il y a la gloire. Dans cette vie-là en Christ, il y a la délivrance. Il y a la guérison. Surtout, j'interpelle à vous, mes frères, mes sœurs, vous qui avez l'habitude de m'envoyer des mails ou de m'appeler. Si vous êtes loin de la Belgique ou de Bruxelles, là, je comprends. Mais si vous êtes près d'ici, il est temps de venir se joindre à nous. Et nous allons bâtir ensemble cette œuvre pour gagner l'Europe, surtout. En Christ. Nous devons savoir que non, il y a beaucoup de personnes qui honorent Dieu dans leur bouche, mais leur cœur n'est plus là. Il y a beaucoup de Dieu qui font des réunions, comme on appelle des cultes le dimanche, de la semaine, tout ça, des églises, mais leur cœur n'est plus là. La plupart sont devenus des business, des commerces. C'est pour cela que vous voyez que non, il n'y a même pas la puissance de Dieu. Ce n'est pas le fait de faire tomber les gens comme on voit ici en Europe, parce que c'est avec ça qu'on voit souvent. Ce n'est pas le fait de faire tomber les gens de la salle qui fait que non, c'est ça la puissance de Dieu. Non. Il y a des gens qui ont besoin de guérison. Nous, on ne dort pas surtout. Parce qu'on reçoit des appels, on reçoit des problèmes de personnes qui vont dans les églises et qui ne voient pas ce qu'ils sont venus chercher. Et nous, on amène la guérison, on apporte la gloire de Dieu dans leur vie. Et c'est pour ça que je vous appelle, mes frères et mes sœurs, de venir maintenant se joindre. Car ce que Dieu a mis en nous, l'onction que Dieu a mis en nous, il veut le transmettre dans vos vies maintenant. Afin que vous aussi, vous puissiez commencer à apporter la guérison chez les autres. Car Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous pour libérer son peuple. Dieu a besoin de vous pour manifester sa puissance. Veuillez prendre contact avec nous. Pour avoir l'adresse exact de là où vous pouvez nous joindre et pour savoir comment ça va se passer, comment on va s'organiser pour former cette équipe
car nous sommes l'armée de Dieu. Ce n'est pas pour rien quand Dieu nous a dit de bâtir son armée ici dans ce pays. Ce n'est pas pour rien. L'armée de Dieu est en place. L'armée de Dieu est spirituelle. L'armée de Dieu, c'est nous, c'est vous. L'armée de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui ont premièrement la crainte de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui ne tiennent plus compte de leur vie. L'armée de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui reconnaissent qu'ils sont déjà morts pour le système de ce monde. Et s'ils vivent, c'est juste pour Christ qu'ils vivent. L'armée de Dieu, c'est un groupe de personnes, des hommes et des femmes, dont la tentation ne leur fait pas tomber. L'armée de Dieu, la séduction n'a pas de place dans leur vie. L'armée de Dieu n'en vit pas les choses de ce monde. Nous sommes là avec vous, mes frères et mes sœurs. C'est le temps pour vous de venir se joindre. Et vous allez commencer à voir, vous allez voir que les choses que vous lisez dans vos Bibles, ce que les apôtres faisaient, Dieu va commencer à les faire à travers vous. À travers tes mains, mon frère, ma sœur, Dieu va commencer à opérer ce que tu lis dans la Bible. Donc, prenez contact avec nous afin de venir se joindre et faire partie de cette armée de Dieu pour manifester la gloire de Dieu dans ce monde. Que Dieu nous bénisse. Que le nom de notre Seigneur et notre Maître, Christ et Jésus, soit toujours glorifié dans nos vies. Et que sa parole puisse toujours nous diriger. Que l'Église dise Amen.